What are they, Captain? Back! You must get me treasure! Leave them to me. Et voilà, salut tout le monde, c'est Volk. Donc on se retrouve pour le pays imaginaire. Donc, comme d'habitude, on commence par casser directement Junessian, qui est en train d'attaquer un personnage de ce monde. Et donc vous l'aurez vu, je viens d'avoir un nouveau coup de grâce, off. Et je m'en ramue. En fait, je l'ai débloqué en utilisant le style de commande de foudre un certain nombre de fois, comme pour le coup brûlant par exemple. Et c'est plutôt sympa comme coup. C'est un petit combo bien sympa, j'aime bien. Mais je vais pas le garder, hein. Je vais garder quand même Morphod parce qu'en fait le jugement de Ramu ne débloque pas d'autres. D'autres coups de grâce comme Warfall, donc dommage. Viens là, c'est bon. Ouais, plus de météores, on en parle plus. Ah non, c'est Bouclier Mine qui se met en ligne comme ça. Ah mais oui, merde, je suis con, Bouclier Mine, c'est plus celui que j'avais. Oui, parce que... je suis un peu à la rue, là. Le truc, c'est que oui, j'ai débloqué... ça fait mal. J'ai débloqué donc un nouveau sort de mine, donc Bouclier Mine, et c'est ce que je disais, du coup, c'est celles qui sont en file indienne. C'est celles qui sont en file indienne. L'autre technique, l'autre magie de mine que j'ai déjà... Le VLP à fond, donc je l'ai remplacé. Et il me manque encore une dérivation, on va dire, du sort de mine. If I desired your assistance, I'd have demanded it. We had the situation under control. Isn't that right, Smee? Oh, yes, Captain, completely. We would have cleaved those fiends to the brisket, we would. Why, I'd have given them a little of this and this. And don't think your efforts mean you'll get a share of me treasure, understand? I'm not after your precious box, Captain. I'm looking for a person. A boy, wearing a mask. Ring any bells? No, not a one. Figures. It's me, your blithering barnacle. We're off. We shall leave this place before the light draws them back again. Huh? Hey, hold on. What did you just say about the light? Ah, yes, it's heartbreaking, really. This chest, you see, contains light gathered from all around. And I've got an acquaintance, a boy, who's sure to try and seize it. A boy who's after the light. If it's not Vanitas, then who? Hey, why don't I help you keep the light safe? Maybe you could tell me more about this boy who's troubling you. What's his name? Peter Pan. Et je peux toujours pas me l'encadrer. Déjà dans Kingdom Hearts 1 c'était l'horreur. Dans le 2 j'étais content que ce qu'une invoque, comme ça on voyait pas sa gueule. Et là on se repaye un monde Peter Pan et je suis blasé. Right. I got you covered. Ok, alors du coup, on va pouvoir faire vite fait le tour des rapports, comme d'hab. Ça c'est bon, trésor. Ben, là aussi, il y en a pas mal. Album, apparemment il y en a pas mal ici aussi. Niveau commande, j'ai rien à fond. Jeu de commande, liste, qu'est-ce que j'ai obtenu? Ah, la frappe étourdissante, d'accord. Pourquoi pas?
Alors, coup de grâce, du coup, je vais changer de jugement, je vais reprendre Heure Folle. Non, on est parti. Ah bon, on arrive directement ici. Ok. Hop, alors dans ce cas-là, je sais pas si je pourrais au niveau du scénario, mais je vais faire peut-être un petit détour. Bon, la carte, on s'en fout. Potion plus, on s'en fout. Non. Est-ce que je peux y aller? Oui. Y'a pas de coffre? Ah merde, je croyais. C'est peut-être pas avec Terra alors. Bon, tant pis, c'est pas grave. On s'en fout. Le mug, vite fait, on va voir ce qu'il a. Apparemment, il a rien de nouveau. On s'en fout. Ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Allez hop, basta, on se casse. J'espère que je vais pas mettre trop de temps à faire ce monde parce que sans déconner, je peux pas me l'encadrer. On commence à avoir des ennemis résistants là. Je suis passé en style full, mais il n'y a pas assez d'ennemis pour que je monte le coup de grâce. Tant pis, je réessayerai. Ah putain, cette zone. Ah putain, cette zone. Ouais non c'est dommage, j'ai plus qu'un seul ennemi. Ouais, bon là il y en a deux, allez c'est pas grave. Ah bah évidemment ils sortent maintenant. Impact critique, pourquoi pas. Ah non, j'irai pas te chercher. Allez, tais-toi. Voilà, c'est même parce que j'ai besoin d'exp que je grappille autant. Ouais, je vais d'abord nettoyer la zone, merde. Arrêtez de voler autant. Voilà. C'est pas méga atonium, mais ça fait le boulot aussi. Voilà, donc là je vais pouvoir aller récupérer le coffre. Là je vais essayer. Pour essayer de gagner un peu de temps. Voilà. Un élixir. Cool. Hop, c'est par là normalement. La brume sombre. Que j'avais créé il y a déjà un petit moment. C'est pas grave.
Par contre, je sais pas où c'est pour la lune. Je crois que c'est là, mais je suis pas sûr. J'ai un doute. Il me semble plutôt que je fais le tour là. Mais... Faire. On s'en fout. Allez, mourir. Foutez-moi la paix. Putain. Je pète même le rocher, moi je m'en fous. Je casse tout. Je détruis le monde entier s'il faut. Là toi tu vas ramasser. Là, là vous allez ramasser là. Le temps de voir le level up, ce que j'ai gagné. Allez, voilà. Ouais, on sent qu'on est quand même à l'avant-dernier monde, hein, parce que les ennemis commencent à encaisser un peu. Avec la potion, on s'en fout. Non, tombe pas. Là-bas, ça m'arrange. Oh, Géo Impact. On va aller une bonne idée. Géo Impact, c'est pas mal ça. Ah. Oula, j'ai pas mal de choses que je peux changer là. Justement dans Brume Sombre, Géo Impact, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je voulais faire ça. Pop de glacier. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a de nouveau? Ah oui, l'élixir, ouais, d'accord. Ok. Tac. Alors, si je prends les deux glaciers plus. C'est pour pouvoir faire un mixage un peu particulier, enfin un peu particulier. Façon de parler, je vais créer tout simplement un glacier X. Mais je vais utiliser un des cristaux que j'ai pour avoir la technique dernière force. Parce que bon, j'ai dernière chance, c'est bien. Mais si je peux avoir une dernière force en plus, ce sera encore mieux. Dernière force en fait, ça me permettra tout simplement de résister au chaos en un coup. Dernière chance c'est pendant un combo, dernière force c'est le chaos en un coup, ça peut être pratique aussi. Enfin quand je dis chaos en un coup, c'est si on n'a pas assez de vie pour encaisser une attaque, au lieu de mourir on restera à 1 HP. C'est pas comme si j'avais toute ma vie et que je perdais tout d'un seul coup. La dose déjà ou pas, je me souviens plus. Putain, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais jouer la sécurité. Parce que je sais vraiment plus quand le boss arrive.
prendre les commandes soins au cas où. Et on verra bien. Et je vais éviter de faire la même connerie qu'au chapitre d'avant, quand même, à me faire le boss sans soin, mais c'est bon. J'ai eu de la chance une fois, on va peut-être pas abuser non plus. Foutez-moi la paix. Allez, grimpe. Reviens. Il va falloir que je remonte du coup. Alors, est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je vais me craquer là par contre? Parce que là, vu qu'on récupère mon mégalixir, on s'en fout, mais là, bah, je vais réussir à y aller ou pas? Oui! Cristal chaotique. ARS Solom! Gros bobo en perspective. Gros bobo en vue. Attaquer les ennemis avec plusieurs coups ravageurs, appuyer sur triangle à la fin pour leur donner quelques coups en plus. Et si des fois ça suffit pas après le combo, on peut en rajouter quelques-uns. Et ARS Solom, j'aime bien en plus un combo qui a la classe. Mais bon, je peux pas m'en équiper tout de suite parce que là j'ai déjà des techniques à faire EP, donc je le montrerai plus tard. Mais je suis content de l'avoir. Ça fait grandement plaisir par contre. Et bah, il me semblait que normalement il fallait oui voilà, il fallait descendre. Well done. Pardon me, Captain, but it's about that shooting star I was mentioning to ye. Mr. Smee, I ordered you to drop that. I'll not have you gushing on about some shooting star. But Captain, most shooting stars twinkle for a bit and then they go out. But this one, it kept on sparkling and shining even after it crashed down. Why, what if it's really a big, enormous, priceless gemstone? Idiot! Why didn't you tell me? We've a bit of business to attend to and must, I fear, step away. I trust you can see to things till I return. Sure. When Peter Pan gets here, I'll be waiting. Je me mets au conditionnel, mais je crois que l'étoile filante dont il parle, c'est l'objet dont Mickey se sert. Parce que je crois qu'avec Vaine. Ou à quoi? Non, je crois que c'est plutôt Vaine. Il recherche aussi l'étoile. Looks like he's found himself a new flunky. I'll fly down and distract him. Men, you move in and nab the treasure. Are you Peter Pan? That's me. The light is not yours to take. Ah, j'aime bien ce thème de boss. Allez, redescends là, commence pas à courir. Mais si tu frappes à côté, on va pas s'en sortir. Say good.
ça. Tiens, prends ça dans les dents. Oh, la charge armée. Ou ça, ça va faire mal. Ça, ça va faire très mal. Ah, j'expliquerai après la scène. What do you want with the light? Light? What light? Look, Pan! We got the chest! No! Not yet, you blockheads! Hey! That hurt! Oh, sorry! Now what is this? Pirate treasure, of course. Jewels, doubloons, you know, the usual stuff. I've been guarding a pile of loot? Sounds like you've been tricked. I'll say. I owe you an apology. I picked a fight over nothing. Aw, it was all in good fun. Not every day I get to fight such a good swordsman. Say, what's your name anyway? Terra. Right then, Terra. Which way did Hook go? They said something about a shooting star. Shooting star? Tinkerbell must be in danger. Men, guard that treasure with your lives! Aye, aye, sir! You go and get him, Pan! Well, I should be on my way. Voilà, bon, lien est établi avec Peter Pan, youpi. On s'en fout. On s'en fout. Et donc du coup, la charge armée, ça va être... Bah, ça tombe bien, j'ai accès au menu, parfait. Tac. Bon, lien des... Oui, d'ailleurs, j'ai pas fait avec Stitch, faudrait que je le fasse. Stat, style de commande, charge armée. Donc deuxième style de commande de niveau 2. Et donc, qu'est-ce que je peux faire avec commande de type brasier ou glacier ou des attaques similaires à frappe enflammée. Bon, bah ça tombe bien, j'ai à peu près ce qu'il faut. Et pour faire simple, la charge armée, en fait, on va avoir une espèce de grosse épée de lumière, mais vraiment mastoc. Hein. Le genre de truc qui va faire 2-3 mètres de long pour avoir une allonge abusée. Et les dégâts vont être relativement monstrueux aussi. Donc, par contre, on va frapper un petit peu lentement et surtout en zone, par contre. On va surtout frapper autour de nous. Mais... voilà, la charge armée, si on est face à un ennemi plutôt résistant, on va vraiment lui défoncer sa tête. Selon les boss qu'on croise, ça peut être relativement pratique d'ailleurs, charge armée. Je suis bien content de l'avoir débloqué parce que j'aime bien ce style de combat, ça a vraiment la classe. Donc là, je suis content. Et finalement... finalement, du coup, ouais, soit ça m'a servi à rien, mais est-ce que c'est le seul boss qu'on se fait, ou est-ce qu'il va y en avoir un autre? Putain, je sais plus. Je sais plus. Bon, moi j'ai la réponse à ma question. C'est bon. Il me semble que... Ah oui, ça doit être la... la nuée de monstres, non? Il me semble. Genre ceux qu'on a eu... dans le vaisseau de Stitch, là, un peu Méduse. Je crois que c'est un... il y en a toute une armée. Ouais, c'est ça. Unversed. C'est ça. Du coup, par contre, j'ai peut-être pas les commandes qu'il faut pour montrer la charge armée. Dommage parce que là, ce serait vraiment idéal. Tant pis, on va faire avec. Bon, déjà, multiplie les météores. Voilà. Joue impact, ça fait le boulot. Oui, ça fera le boulot aussi. Take
coup de refaut dans le tas. La pluie de météore, c'est sympa. Attends, on va aller parler, il y a un peu de monde. Comme ça, voilà, on reprend Brise Roche et on est reparti. Après, par contre, ils font relativement mal eux. Par ici, salut! Ah bah voilà. Ils étaient relativement nombreux et mine de rien, ils faisaient plutôt mal. Boy, you sure cut that monster down to size. Ahoy! How fare ye, lad? Hook! Go hide. Fine. All's well. What's that? Tinkerbell, one of Peter Pan's dearest friends. Can I take a look? So long as I have his precious pixie, Pan's demise is all but assured. What's the meaning of this? You know, I didn't give it that much thought. Just doing what my heart tells me. That's mutiny! And you'll walk the plank for it! That sound! Hooray! We sure showed Hook this time! Every star up there is another world. Huh? Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ven. What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I want to know now! Oh, so much for the pirate treasures. Did you guys really want the jewels and gold that badly? Huh? Nah, we don't care about that stuff. But Pan was counting on us! I'll tell you what. Put the stuff that's really special to you in there. That can be your treasure. Yeah! Real swell idea! Thanks! Kinda makes me wonder what I'd put in there. On verra bien. Alors, oula, j'arrive pas à lire. Un mot de fée, d'accord. Keybade, qui compense sa faible portée en vous procurant un bonus de magie important et permet d'asséner des coups critiques dévastateurs plus facilement. D'accord. Ça peut être une keybade intéressante pour Aqua, par exemple. Ah merde, c'est pas fini encore. This light. It's so warm.
somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. Aqua, Ven, I wonder if we'll ever be a team again. Looks like all the things that once held us together just push us further away. And now the light has led me here. What am I supposed to do? Tu vas tout trouver, plutôt. Quelqu'un avec qui passer ton pouvoir. Just wait for me. Giving up already? Come on, Sora. I can't run anymore. Light. Was I guided here in order to meet that boy? Did you come from the outside world? Huh? Why would you say that? Because nobody lives out here. And I know you're not from the main island. Smart kid. So how about you? What are you doing here? Oh. My friend's dad took us out on the boat. This is where we like to play. But they won't let us row out here by ourselves. Not till we get older. Must be hard, huh? Stuck in one place. I heard once it was a kid who left for good. So how did you get here anyway? Is there some reason you're interested in the outside world? Yeah. I want to be strong one day. Like that kid who left. He went to the outside world. I bet he's really strong now. I know it's out there somewhere. The strength that I need. Strength for what? To protect the things that matter. You know, like my friends. Outside this tiny world is a much bigger one. In your hand, take this key. So long as you have the makings, then through this simple act of taking, its wielder you shall one day be, and you will find me, friend. No ocean will contain you then. No more borders around, or below, or above, so long as you champion the ones you love. Riku! Come on, hurry it up! You gotta keep this a secret, okay? Otherwise, all the magic will wear off. Hey, what was that all about? You know. Know what? Why won't you tell me? Who was that guy? Somebody you know? Maybe.
Oh, there you go again. Just tell me. I really can't. I've got to keep it a secret. Not with me, you don't. I'm like the best secret keeper in the world. Nice try. Oh, Riku! Protect the things that matter. Right. My friends matter to me, too. So, I still have things that I have to protect. Et c'est pour ça qu'il y a autant de ressemblances entre Terra et Riku. Parce que du coup, Terra a choisi Riku comme porteur de la Keyblade. C'est pour ça que Riku récupère la Keyblade de Sora dans Cache 1 d'ailleurs. Pas que pour les raisons qui ont été dites. Et au niveau des ressemblances, ben, ça me paraît assez flagrant pour ceux qui ont suivi Cache aussi, je pense. Que ce soit Terra ou Riku, les deux sont liés aux ténèbres. On voit bien dans Cache 1 que Riku succombe aux ténèbres, mais dans Chain of Memories et 358 et Cache 2, on voit bien qu'il a réussi à combattre ses ténèbres et à les maîtriser. Et Terra, ben là, pour le moment, il n'y a pas encore succombé, il fait un petit peu avec. On va voir plus tard comment ça va se passer, mais bon, ça va aller. Et c'est que c'est dans un autre Kingdom Hearts, le Kingdom Hearts 3D, que je ferai... dans un moment, je vais attendre la compilation pareil. Et là on pourra voir qu'il y a encore plus de ressemblances parce que Riku va avoir des techniques de combat similaires en fait à Terra. Et c'est pour ça que du coup ça explique en fait le lien entre Terra et Riku. Et au passage on obtient donc nous la Keyblade Terre condamnée, bien équilibrée, qui augmente grandement toutes vos stats. Ok, je prends. Ouais, c'est fini les cinématiques ? Non, toujours pas. Bon. That light. Is it Ben? Master Terra, find me. We must speak at once. Master Xehanort. Je peux arrêter ou pas là? Bon, apparemment je vais pouvoir, enfin. Paix imaginaire, chasse aux commandes débloquée, on s'en fout toujours. Donc là on était sur l'île du destin, mais il n'y a rien à faire, on peut même pas y retourner. On va vite voir la Keyblade. Celle-là, ok. Ouais, bah je vais la prendre. Rapport. Donc l'histoire, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, c'est bon, on a vu ce qui s'est passé. Les personnages du destin, donc on a vu Sora et Riku. Riku qui a accompli donc le rituel pour devenir porteur. Et chaque personnage, d'ailleurs que ce soit Terra, Ven ou Aqua, rencontrera un perso pour faire entre guillemets le rituel. Bon, moi j'ai appelé ça comme ça, mais bon, peut-être plus un pacte, on devrait dire, pour devenir porteur de la Keyblade, évidemment. Allez hop, ARS Solom. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait être sympa? Ah, bah tiens, Brazix pour la charge armée, justement, ça serait peut-être pas mal. Mixage, est-ce que je peux faire quelque chose? Pfff, oula, ouais, bon, je verrai tout ça en off. Je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Ouais, donc en gros, on va rejoindre encore les Terres Funestes pour une nouvelle discussion avec Xehanort. Suite à ça, on va rejoindre la contrée de départ. Et selon le temps que ça prendra pour la contrée de départ, je verrai si dans la même vidéo je vais pas faire justement l'arène des mirages dans la foulée, parce que dans la Terre Funeste ça va être qu'une scène de discussion, donc ça ira bien, ça sera pépère, tranquille. Contrée de départ va y avoir une petite discussion et un combat,
Si je foire pas trop le combat, ça peut être rapide. Donc du coup, est-ce que j'enchaînerai avec la reine des mirages ou pas? Ben, on verra ça. On verra ça. Pour le moment, comme d'hab, on va faire une petite save. Si ça veut bien. Tac, voilà. Hop. Et voilà, donc du coup, je vous quitte sur la map monde. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite des aventures.